pour attendre la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, ils sont épais à deux doubles tranchants. Il dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, de partager l'âme et l'esprit, et de partager jointure et moelle, malgré leur affinité. Bien-aimé, d'amour, ouvre la Bible avec moi dans Jérémie chapitre 29. Dans Jérémie chapitre 29, matin, lorsque je fais dévotion, je suis dans un côté à part, je fais dévotion, je demande à mon Dieu qui message pour me faire matin. Bien aimé, ou pas arrêter comme ça pour délivrer un message. Vous devez être inspiré par l'Esprit de Dieu pour prêcher. Et lorsque je suis inspiré de messages, je suis cherché des messages. C'est l'esprit de bon mieux mot. L'élément mot, dans le mot de bon rien, il était bon rien dans Jérémie chapitre 29. Il était, il parlait spécialement dans verset 11. Quand il dit moi, alléluia, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Lorsque je me demande, mon Dieu, qui sujet pour me faire message ça, il te dit, sujet pour me faire message ça, pas inquiété pour moi, moi en dans un plan. Alléluia. Le Seigneur te dit, pour me dire, pas inquiété pour moi, ou qu'à personnaliser le tout même. Pendant personnaliser li ou ka personnaliser li pas inquiéto pour moi en dedans yo plan ou lorsque m'tap gade ki sa yo plan yé m'tap gade lorsque m'dal nan dictionnaire Larousse m'dal nan Wikipédia m'ap cherché moi en pile définition concernant plan moi gen plan de construction plan maison moi gen plan en masse moi gen plan son plan qui toute qualité de plan mais est-ce que plan ça yo yo un plan bon Dieu lorsque on t'a regardé à la lumière de la mathématique dans géométrie on dit un plan est défini par trois points non alignés autrement dit soit trois points A B C non alignés trois points comme ça on définit un plan géométriquement parlant. Mais lorsque je regarde, il y a un plan individuel et un plan en masse. Bon Dieu, il y a un plan en masse, mais il a parlé concernant de plan individuel. Quand il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il y a un plan qui est en tête. Oh, alléluia. Ou qui est sous-estimé tête. Et c'est bon Dieu même lui placer confiance en vous. Bon Dieu connaissait au même bout de la famille. Mais souvent, ce n'est pas façon de penser. Ce n'est pas dans Jean Walfel faire là. Ce n'est pas dans façon de Paul là. C'est dans rester dans la soumission. C'est rester dans la patience. C'est rester dans la prière. C'est rester, amen, sous l'onction du Saint-Esprit. Pour mon Dieu, capable de guider. Bon chanteur qui dit, je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Alléluia. L'homme t'a parlé de plan. Plan, comment, question me déposer, alléluia, comment savoir si c'est la bonne décision, amen, qu'on doit prendre, amen, si la décision que je vais prendre est dans le plan de Dieu. L'homme a un plan, mon Dieu, tout sera fait, faut demander mon décision, d'accord, amen. Mais comment on va le connaître, décision à prendre, si c'est dans le plan de Dieu. Pour que ça nous était dans le plan de Dieu? C'est parce que nous ne pouvons pas échouer. Tout le monde a un succès. Mais pour que le succès, il faut arrêter dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Quand on chante qui dit volonté, mon Dieu, il est doux, il est si aimable. Vous comprenez? Plan, mon Dieu, il n'est pas douce. Plan, mon Dieu, il n'est pas facile. Le plan de Dieu, il y a un prix à payer. Vous avez un prix pour payer dans le plan, mon Dieu. Dans le plan, mon Dieu, il y a souffrance. Alléluia. Dans le plan mon Dieu, il y a humiliation. Dans le plan mon Dieu, il y a formation. Dans le plan mon Dieu, il y a parler mal.
Dans le bon Dieu, il y a des gens qui ont envie de dérouter ou envie de quitter ça. Mais comment on peut connaître est-ce qu'on a plein mon Dieu? Alléluia. La Bible a dit, alléluia, lorsque la Bible a parlé, dit, bon Dieu n'a pas créé nous sans but. Il dit, lorsque nous avons, Dieu nous a créé, il ne nous a pas créé sans plan, sans but. Comme la soeur vient chanter la matin, soeur Florence chanter, Dieu n'a pas créé sans plan, sans but. Alléluia. Il t'a créé avec un plan, avec un but. La Bible dit, avant que donc je sois tissé dans le ventre de ma mère. Avant que vous soyez tissé dans le ventre de votre mère. Amen. Dieu, alléluia, avait écrit sur un livre les choses concernant ma vie, concernant ma destinée. Dieu avait écrit sur un livre, alléluia, des choses concernant votre vie, concernant votre destinée. Ou pas créé, ou pas fait par hasard. C'est pour pas l'eau à caler. Alléluia. Mais bon Dieu crée avec un plan, avec un but. Et monde qui crée avec un plan, un but, c'est monde qui est amen, amen. Les gens viennent réaliser ça, ils ont été constamment dans le plan de Dieu. Dans Proverbe chapitre 3, en plus fois, il y a des gens qui prennent des décisions pour contre eux. Mais la Bible a dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, verset 5 et verset 6. Il dit, alléluia, mets en lui ta confiance et il aplanira tes sentiers. Pas sage à propos de Dieu. Il y a des décisions pour prendre. Et pour souhaiter, pour prier, bon Dieu, pour répondre nous. Cherchez grand monde, demandez un conseil. Cherchez un monde qui fait expérience, parce que demandez le conseil. Alléluia. Parce que dit la sagesse est dans le grand homme, est dans le grand nombre des conseillers. Monde qui sage, c'est monde qui a un pile conseiller. Alléluia. Sous conseiller pour peut-être pas. Il y a des gens qui ont un conseil, c'est dans tout la tout. Alléluia. Il y a des gens qui ont un conseil, ils retirent dans le programme, mon Dieu. Et en vérité, de vous sortir de programme mondial, vous échouez. De vous quitter le programme mondial, vous échouez. Voilà pourquoi lorsque le peuple d'Israël était en Babylone de captivité, après Jérémie, t'es fini normalement par prophétie, 70 années que le peuple a passé en captivité. Lorsque nous avons un problème, en pile, nous avons dit prophète, oui. Comme nous avons regardé sur Facebook, là, sur YouTube, en pile, on a parlé. Il y a des gens qui ont parlé ou pas même qu'on qui fouille. Alléluia. Il y a des gens qui ont parlé sur le Wakale, c'est venu, le venu. Tout le monde veut faire artiste. Mais qu'on y a, ou même qui ne peut pas qu'on en a plein, mon Dieu. Gros esprit égarément qui relâche. Gros esprit égarément qui relâche pendant l'église dans le confinement. Ils ont pensé que tout le bagage est fini, mais ils ont dit tout le bagage n'est pas fini. Mais ils ont dit c'est beaucoup la fin du monde. C'est le commencement de la fin. Malgré ce qui a passé dans les steppes aux États-Unis, ce n'est pas encore la fin, c'est le commencement de la fin. L'église est pour le réouvrir, et tant que l'église là, tant que le Saint-Esprit est dans l'église, il y a un bagage qui bat qu'à fait. Alléluia. C'est pour le Saint-Esprit, et pour l'église enlever, et puis le Saint-Esprit parle à tout. Mais le Saint-Esprit là pour le consoler nous. Alléluia. Il y a un monde qui a besoin de consolation dans le moment ça. Jésus a dit qu'on s'en branle. Ma voix est pour nous. Il y a un autre consolateur, même j'en avais moi. Paraclet là. Là pour consoler nous. Dans le moment, il y a des gens qui sont tristes. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers. Mais cet esprit là pour consoler nous. Alléluia. Et ma voix là, même si tu as des maladies à faire rage. Depuis le livre là. Amen. Non, pour qu'on arrive. Ou pas passer, non? Amen. Parce que bon Dieu a un plan pour vous. Avant que tu aies fait dans votre moment, bon Dieu a un but. Il a un projet pour vous. À moins que vous sortiez dans le plan. Alléluia. Plan qui a changé. Ou même ou capable, alléluia, faire plan tomber à l'échec. Parce qu'on quitte route là. Parce qu'on n'a pas prié encore. Parce qu'on fait affaire pour vous. Ou prendre une décision pour vous. Bon, on a des conseils encore. Amen. Ou pas sur fin rivé. Amen. Ou pas sur son timon. Gros chant qui dit, moi, je chante ça. Amen. M'a toujours été yo timon dans les yeux, mon Dieu. Alléluia. Et lorsque Jésus t'a regardé, voyant venir, voyant les petits enfants, amen, alléluia, ils ont vu Jésus, et puis Jésus dit, petit si vous avez péché, parce que Jésus dit mon protocole. Et puis Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Quel que soit le niveau d'arrivée, depuis c'est pour un bon Dieu, son petit bébé, alléluia.
Quel que soit ta possédé, depuis c'est pour un bon Dieu, c'est un petit bébé. Bien aimé, m'a dit nous bagaille. En pile, mon a prêché sur Facebook pour faire mon plaisir. Je ne vais pas prêcher pour me faire mon plaisir. Je vais prêcher la parole. Bien aimé, ça, on a fini de prêcher. Ou pas prêcher encore. Parce qu'elle ne va même prendre qu'un verset. Il n'y a pas de référence. Il y a seulement un message de Toya. Il y a seulement parler. Il n'y a pas de référence. Et bien tout le monde prend pour vérité. N'oubliez, la Bible a une référence. La parole de Dieu, alléluia, c'est lui-même qui ne peut pas ni ajouter ni retirer la donne. Tout le monde a besoin de monde, amen, qui ne peut pas rien dire. Tout le monde a travaillé pour descendre le drapeau Jésus, descendre le drapeau l'église, pour craser l'église. Tout le monde a prêché pour mettre division. Il n'y a pas de rapport à ça. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de rien. Parce qu'il ne peut pas prêcher selon la parole. Lorsqu'on prêche selon la parole, on peut être correction. Alléluia. Lorsqu'on prêche avec la parole, on peut être enseignement. Lorsqu'on prêche avec la parole, on peut être édification. Parce qu'il te dit les dons que Jésus bat dans l'église. Amen. Dans Ephésiens chapitre 4, dons ça y est là pour édification du corps de Christ. Il dit pour bâtir le corps de Christ. Où tu es négatif évangéliste? Après quelques temps, il fait marcher prêcher dans toute l'église. Il finit prêt tout fidèle et puis là fait l'église mal. Écoutez, même nek ça a parlé moun mal. C'est notre temps ça na vivre là. Yon temps nek a prêché pour faire moun plaisir. Pas prêché pour faire moun plaisir, prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Quel que soit ça ou pasteur ta fait. Alléluia. M'a toujours dit ça. Bon Dieu toujours une réserve. Quel que soit ça ou évangéliste ta fait. C'est responsabilité personnelle par lui. Mais bon Dieu qui réserve. Il y a des gens qui ont servi lui. Alléluia. Voilà pourquoi, alléluia. Même nous avons prêché, alléluia. Il faut faire attention. Il faut prêcher des messages équilibrés. Pas seulement vous et monter. Alléluia. Bien aimé, non pas ça, ça. Raison m'a dit ça. Parce que nous avons été troublés. Il y a un prophète qui a dit mon nom. Il dit, il y a un pile prophète qui t'a parlé. Mais lorsque, dans verset 4 là, le prophète lui a parlé. Ah, alléluia. Le prophète a dit un pile l'autre bagage qui passe. Et puis, ainsi par l'Éternel des armées, dans Jérémie 29, verset 4, le Dieu d'Israël a tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Il a dit, il va quitter Babylone. Bon Dieu dit, non, il n'y a pas samedi même. Même si on a regardé le monde pour finir, bon Dieu dit, pas samedi. Il y a un monde qui dit, pas grand pile gros bagage. Bon Dieu dit, pas samedi. Je vais passer le monde non test. Ce n'est pas encore la fin. Bâtissez des maisons. Habitez-les. Plantez des jardins. Mangez-en les fruits. Prenez des femmes. Engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Et donnez des maris à vos filles. Afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené captif et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du ciel. Alléluia. Car ainsi parle de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Il dit dans verset 8 là, dans mon prophète c'est ça, ou même qui a regardé Facebook tout le temps, ou même qui a entendu tout le monde qui a parlé. Et c'est pourquoi Paul t'as essayé de parler, je m'a prêché, m'a parlé à moun moi-même, m'a prêché à moun l'église moi. M'a prêché avec zami l'église moi. M'a prêché à moun qui connaît son serviteur mon Dieu. Pour me dire yo besoin chrétien équilibré. Par contre moun a courir pour courir. Yo connait t'en Haïti, yo Haïti où a moun commence à courir. Moun a courir et puis tout moun a courir. Et puis l'autre était moun dit ça gagne là. Moun a dit m'pa ça gagne non. Moun a courir, m'courir tout. Pas moun a courir pour courir tout. Faut qu'on pour qu'il soit courir. Alléluia. Pas à mon parler pour parler tout, faut qu'on qui soit parlé. Pas à mon prêcher pour prêcher tout, faut qu'on qui soit prêché. C'est ainsi, dans Jérémie 29, verset 8, il dit car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Un pile prophète sur Facebook là. Un pile nèg a dit bon Dieu dit yo. Un pile nèg a regardé, il va pas parler, il va même concerner eux même. Mais tout le monde a fait la une. Mais le Seigneur parle nous là. Moun qui connaît dans le plan mon Dieu. Moun qui reconnaît dans le plan mon Dieu. Moun pour pas tomber dans l'esprit d'égarement.
pour pas tomber dans l'apostasie, pour pas abandonner la foi, pour pas dire si me déconner. Alléluia. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. C'est ça Paul t'a dit. Voilà pourquoi on a besoin de un mentor. Si vous voulez père spirituel là, vous avez besoin de mentor. Vous avez besoin de monde qui connaît, debout, amen. Vous avez besoin de connaître dans la décision à prendre pour connaître est-ce que même dans l'église, regardez, même l'église où vous allez, il faut connaître est-ce que bon Dieu est d'accord pour venir l'église là. Ou à Batika, il faut bon Dieu pour courant. Il faut demander bon Dieu, est-ce que vous avez besoin de là? Ou d'accord. Est-ce que l'église m'a marché là? Ou d'accord. Est-ce que le pasteur m'a suivi là? Ou d'accord. Si vous ne pouvez pas demander ça, alléluia, ou pas dans le programme, ou pas même qu'on contrôle. Ou qu'on tombe dans l'esprit de garement, parce qu'on n'a pas aucune assurance. Parce que la Bible a dit, non, Romains 14, verset 23, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Je ne vais pas servir mon Dieu seulement par crainte. Je vais servir mon Dieu avec conviction. Parce que je connais le bon Dieu, il y a. Je vais servir mon Dieu avec engagement. Le Seigneur dit, debout, dit oui. Le bon Dieu dit oui, il dit oui. Bon Dieu, qui me will. Il dit, même que nous sommes fidèles, mais Dieu, lui, il demeure fidèle. Car il n'y a ni homme de changement, ni homme de variation. Il dit, puis quand il dit, pour tromper par prophète qui sont au milieu de vous. Ils ont entouré, chargez prophète. Chargez mon cap, dit, si parle l'éternel. Chargez mon cap, même parler, pas séparer au mal. La Bible a dit, si vous avez fait un travail, quittez le fait. Parce que s'il parle de Dieu, il va prêter. Parce que il dit qu'on a temps privé. Le Seigneur dit nous, je ne sais pas si nous. Sorti sous moi. Retire quoi sous moi. Ouvrez les iniquités. Chargez, ouvrez les iniquités. On n'est pas bien venu dire ça. Paul te dit que c'est pour vendre du travail. Quelqu'un dit que c'est pour vendre du travail. C'est pour nourrir du travail. C'est parce que pas même connaître si vous avez un plan. Si on a un plan, mon Dieu. Moun qui a l'école biblique, moun qui a le séminaire, il y a un moment, amen. Yo dérouté. Parce que depuis que vous êtes dans l'école là, c'est pour l'argent, vous allez faire, vous allez étudier pour l'argent. Amen. Vous allez entrer dans le ministère pour l'argent. Vous n'êtes pas entré parce que vous avez un appel. Vous qui est entré tout, et parce que la famille est en et parce que vous avez un gazo. Mais il y a des gens, les bon Dieu relé yo. Yo connaît même ces bon Dieu qui relé yo. Yo paye prière. Voilà pourquoi lorsque Paul a parlé dans 1 Corinthiens 4 verset 15, il dit même quand vous aurez 10 000 mètres. Mettre là veut dire ou qu'a tendre en pile preacher ou m'entendez. Ou qu'a faire fanatique pour en pile preacher. Yo qu'a en pile mec c'est à faire célébrité. Il y a un cap prêché pour mon plaisir parce que vous mourrez maintenant de ça. Les autres de ça, vous avez un pile monde derrière vous. Moi-même, je ne prêche pas pour mon plaisir. Je prêche la parole de Dieu. Alléluia. Il y a besoin des serviteurs, des hommes de Dieu qui prêchent la parole. Pas prêcher pour faire mon plaisir. Pas prêcher pour faire l'homme plaisir. Prêcher la parole en toute occasion. Favorable ou non. Alléluia. Il dit même quand vous aurez 10 000 mètres, ça veut dire que vous avez mettre des prédicateurs. Vous avez ça. Mais vous n'avez pas de bonne base. Vous n'avez pas de courir. Vous n'avez pas de forcément. Vous marchez la donne. Et pour partager n'importe quoi. Parce qu'on espère que vous tombez sur vous. Alléluia. Vous avez mis contre propre tête. Vous avez mis contre l'église. Vous avez mis contre mon Dieu. Vous avez mis contre. Vous avez mis contre mauvais combat. Quand vous saillez, vous avez mis contre. J'ai péché, honore-moi. J'ai péché, honore-moi. Et ça, il dit, j'ai péché, honore-moi. Ou ap mené un mauvais combat. Tout le monde qui a bataille pour l'église pas croître, ou ap mené un mauvais combat. S'il y a un bon combat, il y a un mauvais combat. Tout le monde qui a travaillé contre l'église, ou ap travaillé, amen, contre mon Dieu, ou ap mené un mauvais combat. Alléluia. Résultat pas tous pour vous. Alléluia. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un père spirituel, vous avez besoin d'un mentor, vous avez besoin d'un conseiller pour nous mettre en danger, pour nous mettre côté chemin ça par la donne, pour nous chemin ça va suivre là, son chemin, vous avez perdu dans où ça, vous avez échoué dans où vous avez besoin d'une bonne base, d'un père qui a une bonne base,
gen moun ki bagay bonne fondation, n'importe le moun ki vini, yo di amen pou li, n'importe moun vini, yo balo chan. Mais moun ki gen bonne fondation, peu de chrétiens gen bonne fondation. Pas grand pile chrétiens gen bonne fondation parce que yo pa enseigner. Alléluia. On a ka venir prêcher là dit, bon Dieu va le guérir, bon Dieu va le visa, bon Dieu va le faire tout bagay. Et bien rien va arriver. Parce que bon Dieu fait bagarre dans temps parler. Alléluia. Il fait dans temps parler. Voilà pourquoi il dit alléluia. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. Vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Gen moun tout le gros songe pour faire un rêve pour vous. Bon Dieu ka parler avant tout, va moun vous faire rêve pour vous. Les moun font rêve pour vous. Ou doit confirmer. Alléluia. L'autre d'un gars prêche mon bagaille, ou doit confirmer ça le film prêché. Est-ce qu'il parle bon Dieu, c'est ça le tivré? Si n'a prêché mon bagaille, c'est pour aller, dit papa verset, c'est pour aller confirmer à la lumière de la parole de Dieu. Car tout texte, en dehors du contexte, est un prétexte. N'a pas prendre verset, il vire le toit de yo. Nous ne pouvons pas de verset yo. Parce que sa parole, bon Dieu dit, c'est oui et amen. Personne n'a pas qu'à révoquer lui. Alléluia, gloire. Il dit, car c'est le mensonge qu'il vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés. Il y a un pas bon Dieu qui vous yo. C'est affaire par eux à régler. Yo induit en plus mon monde. Dit l'Éternel, mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que, amen, 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Alléluia, gloire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alléluia. Bien-aimé, j'ai des points d'armes touchés à vous pendant ma continuer message là. Deux points. Premier point, lorsque vous besoin qu'on soit pour une bonne décision. Premier côté pour garder, généralement, la volonté de Dieu, c'est de la parole de Dieu. Comment vous pouvez garder dans la parole de Dieu? Alléluia. Vous pouvez garder dans la parole de Dieu. Les gens qui a pris une décision, qui respecte mon Dieu, n'est pas de décision avant de prendre, vous prier. Vous pas prendre décision avec chan, avec orgueil, avec chanalité. Car il dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je vais prêcher la parole moi-même. C'est la parole à ma prêcher. Et si je prêche la parole, je prêche pour le monde qui a prêché encore. Il y a un pile qui prêche. Vous regardez ça, il y a un monde qui a prêché. Il a prêché la parole pour qu'il a prêché encore. Il y a un qui prêche, ou pas prêché encore. Il y a un message qui parle seulement. Si un message syndique qui gagne, ou pas prêché, ça prêché. Il y a un message grâce. Si un message, amen, il faut tout le monde dans l'enfer. Ou pas qu'avoir mon enfer et pas que t'es mouru pour eux. Ou pas qu'avoir tout mon enfer. Ou pas qu'à garder mon sous sale sous les tout. Parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde le cœur. Bon, je vais garder sous mon premièrement sous sac sous les. Parce que lorsque qu'on y a notre côté, non concept de laver mais. Donc du temps de Jésus, lorsque disciples pas laver mais yo dit Jésus ah mais disciples pas laver mais. Jésus connaît laver mais c'est important. Mais il dit c'est pas ça entrer. En dedans péché. C'est ça qui sortit en dedans. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultes, les meurtres. C'est soit parler. Fais attention, je n'ai pas parlé. C'est le je n'ai pas parlé. Si vous ne parlez pas de la parole là, ou péché. Mais l'on parle la parole, ou pas grand-rien pour peur. De vous prêcher la parole, ou pas grand-rien pour crainte. Alléluia. De vous prêcher la parole, c'est alléluia, prêcher dans l'air, ou prêcher dans le désert, ou prêcher à faire peur. Ou à prêcher pour son personnel ou à prêcher, amen, pour qu'on soit fanatique. Je n'ai pas besoin de fanatique, je n'ai pas besoin de fanatique de Jésus. Toute gloire, c'est pour Jésus lié. Amen. Gloire, c'est pour l'agneau. Alléluia. Premier point, on veut dire, il faut regarder quelle est la volonté générale de Dieu dans sa parole. C'est le premier bagage pour regarder. Dans quelle maison je vais habiter? Est-ce que mon Dieu est d'accord? Non, l'église, je vais aller. M'bati m'balon l'église, est-ce que mon Dieu d'accord? M'a quitté l'église, mais est-ce que mon Dieu d'accord? M'a fréquenté au monde, est-ce que mon Dieu d'accord? Alléluia. Peut-être que mon invité au nom bal.
Est-ce que vous avez un don? Est-ce que vous avez un alamandon pour dire non? Non, Romains chapitre 8, verset 16. Il dit l'Esprit lui-même. Oh, alléluia. Rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Debout ces petites bon Dieu, que l'Esprit bon Dieu en don. Ou à connaître l'offre de la mal. Oh, alléluia. Comment qu'un petit bon Dieu pour faire la mal, même si mon pas douce, ah, qu'on a l'âme qui doit son nom, vous dites, soit fait à pas bon. Même moi, parler de soi, dire à pas bon. Alléluia. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre, amen, à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Comment qu'on connaît, si mon Dieu, si tu connais dans l'esprit, ou bien au ciel, dans l'esprit, ou dit bon, ou pas, qui j'aime dit, ou pas le faire un bras de nuit. Ou bien ou pas le vendre, un petit poudre. Oh, est-ce que mon Dieu t'a connu ça, le baladan? L'esprit mon Dieu doit connaître l'âme, mon Dieu, non, son en don. Si vous avez un âme, ça, vous avez besoin de répandre, répandre. Si vous avez tout ce qu'on fait, l'esprit mon Dieu va nous en ou pas petit mon Dieu. Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, il dit, nous étions morts par nos péchés. Alléluia. Nous marchions selon le trait de ce monde. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, alléluia, nous a rendu à la vie. Il va nous la vie. Il a changé la mentalité. L'offre sauvée, la mentalité a changé. Pensons, changé. Ou devons nous aller à l'amandon pour nous soit fait avec pas bon. Et c'est le témoignage. Alléluia. C'est un témoignage intérieur. Vous voyez ça? Le témoignage intérieur. Écris ça sur ma connaît. Vous devez vous pas mon témoignage pour vous, non? Vous avez un témoignage intérieur. Et témoignage intérieur, ça, il est lié avec conscience. Car la conscience, c'est la capacité dont vous avez de distinguer le bien et le mal. Et ça, c'est pas la kizo, c'est la conscience ou la pas kizo. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque Paul t'a dit Timothée, combattre le bon combat, bien-aimé. Non. Et Timothée, chapitre 1er, m'a regardé pour vous. Même si je t'en ai prêché qui mal sous face là, bon Dieu dit, je ne vais pas répondre. Je prêche l'église. Je prêche le monde parmi eux. Moun bon Dieu va me diriger, je me dis attention. Quand l'esprit est garant, relâché. Prends conscience. Si vous reconnaissez que vous avez un père spirituel. Si vous reconnaissez que vous avez un berger, vous allez obéir. Mais si vous pas obéir, vous êtes un sentinelle, vous êtes malheur, m'avertis. Vous êtes même pas responsable. Alléluia. Non, 1 Timothée, alléluia. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 18. Il dit le commandement que je t'adresse. Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. S'il y a un bon combat, il y a aussi un mauvais combat. Comment combattre le bon combat? En gardant la foi. Et puis il dit, cette bonne conscience-là, la foi, en gardant la foi et une bonne conscience. Mais qui est un bon combat? Oui, garder la foi et une bonne conscience. Comment on dit, un bon combat? C'est le, ou la foi et une bonne conscience. Oh là 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 là. Si conscience ou pas bon, on est impur. Ou faire naufrage. Ouais. Pas besoin de jouer. Ou faire naufrage. Ou échouer. Par rapport à la foi. C'est pour gagner la foi, il faut une bonne conscience. Et si conscience ou soit à faire, ou sentir la conscience ou soit à faire bon. Et si quand on vit là, ou sentir la conscience ou ni bon. Est-ce que Marie, mon qui est dans mon nom, ou sentir la conscience ou ni bon. Parce qu'elle dit autrefois, l'on vient accepter Jésus, si tu veux le voler, on ne va pas voler encore. Si vous voulez faire tripotant, vous ne pouvez pas tripotant encore. Si vous voulez parler mal, vous ne pouvez pas parler mal encore. Si vous voulez aller pour te venir, vous ne pouvez pas faire encore. Ça, c'est pour les païens. Et si vous avez une différence, c'est pour régler. Pas que vous avez encore parce que vous avez tout fait. Vous avez tout fait, prier, vous n'avez pas monté. C'est pour traiter l'indifférence. Même si vous avez dit, je me dis, mais qui est-ce qui dit là? Je me dis, je prends un engagement, je me dis, oui, je dis. Je me dis, dans le sens correction. Je ne dis pas le sens pour me craser. Je dis mon esprit est relâché. Attention! Parce que Satan n'a pas aimé l'église bon Dieu. Satan n'a pas aimé l'église a bien marché. Il faut toujours. Et si nous ne regrettons pas tout, si vous faites un ministère, tout le monde marche comme sous des roulettes, ou pas besoin de connaître tout le monde. Ou pas besoin de connaître. Ou pas besoin de connaître. Il faut revenir. Il
faut problème de venir. Faut incompréhension venir. Faut moun pas comprendre nous-mêmes. Faut moun pas aimer nous-mêmes. Faut parler mal même. Faut critiquer même. Mais les critiquer même si on dit mal de vous. Est-ce qu'on a plan? Est-ce que conscience ou? Amen, la conscience ou ou senti ou entend. Si m'ta connait mon a dit mal de moi. La conscience m'a repenti. Parce que l'esprit bon Dieu en dedans moi. M'go alarme, m'pa venir en contact bon Dieu. Moi veux gagner la paix avec bon Dieu. Veux gagner la paix à tête moi. Veux gagner la paix à tout le monde moi-même. Voilà pourquoi c'est enseignement peuple a payé faute de connaissance. Alléluia. Bible a dit, gagner bagage sous pas résoudre li. Ou a payer les derniers cadrans. Et comme si mon gars qui a un problème, justice, il dit qu'il a réglé ça à l'amiable. Et puis il dit, moi-même, mais c'est justice. Et la Bible dit dans Isaïe 64, verset 5, pour avoir justice, nous, c'est un pile toile sale. Ou chercher justice. L'homme n'a pas de justice. C'est pour Dieu qui a de justice. Pour nous régler ça à l'amiable, ou aller, tout soit passé. Ou payer dernier cadran. Parce que vous n'avez pas rangé. Les choses. Il même dit, si vous offrez, vous avez le bail. Et pas mon nom, vous songez, vous avez un monde qui défend le bail qui mal. Al, je viens de mon nom réconcilier. Sinon, mettez offrez de côté. Ça veut dire, bon Dieu, pas prendre. Il ne va pas recevoir. Dans le passage, ça, moi, je voulais montrer nos bagages chrétiens à l'église. Même si vous avez parlé mal, vous avez parlé mal comme pasteur, il faut dire exception. Vous avez pasteur. Alléluia. Qui a dit magay, ça va arriver. Même si j'étais un faux prophète. Mais l'apôtre Paul dit là, si vous perdez la foi, vous faites naufrage. Amen, par rapport à la foi. Dans verset 19 là, 1 Timothée, 1er verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Qu'est-ce que ça? Cette conscience là, quelques-uns l'ont perdu. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De vous perdre conscience, vous faites naufrage. Satan dit le gagnon. Quand il n'y a pas l'esprit qui a dirigé encore. C'est le diable. Alléluia. Il dit, l'air dit, il va citer nous, oui. Paul dit qu'il y a un ministère d'exemple. Il y a un pile monde qui a tourné un ministère d'exemple. C'est sous l'exemple que nous allons tracer. Il dit de ce nom, verset 20. Al gade le Timothée pour le verset 20. Gardez ça. De ce nom sont Hyménée et Alexandre. Qui ça pour le faire? Qui pourra passer à gagner? Qui pourra l'homme de Dieu gagner? Qui pourra apostole à gagner? Il y a un pouvoir pour livrer au bas Satan. Il dit, puisqu'on est reparti, on remet Diabo, retire Diabo. Kora Santara Mamama. Il m'aide Alexandre, il y a une autorité pour me livrer. Si vous ne répondez pas, que j'ai livré à Satan. Pour qui ça? Pour qui ça? Afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Blasphème, c'est là tout ce qu'on dit, c'est menti. Et où est-ce que c'est menti? Conscience ou pas boîte. C'est là qu'on dit ça, on ne pas dit. Pour gagner justice. C'est là qu'on a vu les gens. A un petit bagage qu'on a fait pour eux. C'est là qu'on est, ou qu'on a cherché passé au monde pour avoir les gens. Même si on a passé qui mal. Amen. On a dit, Seigneur, pardonnez-moi. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a un serviteur. Qui est aux amis qui ont un problème. Alléluia. Aux amis qui ont un problème. Qui possède et puis il peut prier à les amis. Et puis démon qui sont aux amis. Comment est-ce que ça dit? Il dit, vous ne pouvez pas me chasser. Démon qui sont aux amis dit ça, oui. Vous ne pouvez pas me chasser. Car vous n'avez pas gêné assez. Monsieur, c'est vrai. Démon va la vérité. Monsieur dit, oh, c'est vrai, je ne vais pas gêner assez, non? Monsieur prêt à aller pour le virer d'Oli. Pour le quitter Negla. Diabla balon menti. Il dit une vérité, oui. Mais pour le quitter, les là, à tout démon. Pour la tourner, il y a une voix qui tourner à la réponse. Il dit c'est vrai ou pas gêné assez. Même si il y a un monde qui est gêné pour moi. Pendant 40 nuits, 40 jours, 40 nuits, sorti. Et puis démon tombe. Alléluia. Même si je ne suis pas gêné assez. Oh là là là. Il y a un monde qui est payé pour prier. Il y a un monde qui est côté la donne. Il y a un monde qui est soumettre mon bali. Il y a un monde qui est mettre la vie dans le bali. Il y a personne qui est condamné. Alléluia. Gloire. Parce que y a un monde qui te... Tout ça, je ne vais pas faire un monde qui fait pour moi. C'est sous lui que je marche. C'est sous lui que je campe. Amen. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Première raison, où est-ce que le pouvoir pour livrer? Il dit, moi, livrer, il m'a mené à Alexandre.
Si vous faites tripouta, zéle gisa, vous calivrez. Si vous faites zéle gisa, vous faites zé, vous calivrez. Ça te dit, vous allez connaître ça, l'église. Si vous avez rapporté, vous calivrez. Alléluia. Si vous avez fait coup de caméra, vous voyez pas le monde. Vous avez filmé, vous voyez pas le monde. Pourquoi ça nous dit? Je suis arrivé à Satan. Je dis, c'est un livre. Et le livre, livre est vrai. Jusqu'à ce qu'on repente. Je me dis, par contre, l'autorité, je connais l'autorité. Si quelqu'un passe, c'est pas qu'à faire. Je connais quelqu'un qui va souffrir, ça dit, pas qu'il peut passer. Je dis tout le bagage, moi-même, je suis qu'à faire. Je suis qu'à faire parce que je me sers, bon Dieu, je me paye au prix pour ça. Si vous avez pris, c'est check ou check. Check, check ou. Je me paye au prix pour me servir, bon Dieu, pour ne pas quitter mon bêtise avec moi. Alléluia. Je paye au prix pour ça. Alléluia. Tout en prêchant ça à l'église. Mwen. Si je ne pas filer madame, si je ne gratter mes mains, si je ne filer petit tout, je ne pas faire fréquent avec moi. Il faut respecter moi. Il faut prêcher. Et vous passez, vous prêchez comme ça, dans tout ça. Quand on est en train de confinement, nous ne disons pas passer, nous disons c'est récréation. Récréation qui pour finir. Alléluia. Il y a un peu de sonner. Là, mon diable. Trop de sonner. Pour bon gérer les côtes monde qui moun parle yo côtes monde qui pour yo rassembler entrer dans pâturage là. Alléluia, gloire. C'est pas jouet lié, démon relâché, diable relâché, et moun ça pas connaît depuis dans plan. Bon Dieu, tu as un plan pour lui. Bon Dieu, dit pas inquiété, moi dans un plan. Comment moi veux entrer dans plan ça? Pas inquiété, oh, on dans plan. Depuis on dans plan, rien pas privé sans permission. Depuis on dans plan, la presse grand. Il dit dans Psaume 84. Et oui, celui qui place, amen, leur confiance en l'Éternel, il trouve dans le cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'il traverse la vallée de Baca, Dieu la transforme en les lieux près des sources. De vous confier dans mon Dieu, bon Dieu a plané ce sentier pour vous. Alléluia. Moi, je ne veux pas confier dans l'homme. L'homme, amen, l'homme pas sincère. L'homme pas réel. Ou seul monde qui est réel, c'est bon Dieu. Alléluia. Mwen dou ou besoin chrétien, même l'apte de parole yo, faut exiger pour dire côté verset ça, côté ça dit dans Bouddha. Faut exiger pour demander, même le film mouton côté le dit, faut agir l'homme de Dieu, ou bien pasteur, amen, ou bien mentor, pour dire mentor, mais ça mouè, oui. Est-ce que ça a dit assez vrai? Faut troubler. Parce que Paul, mon abdi l'ap trouble ou. Gebaga mon abdi l'ap trouble ou. Qui ça que les pharisiens ou bien hypocrites? Yo dou pas faire, yo faire. Yo ne pas demander l'argent, yo demander l'argent. Yo ne pas demander offrande, c'est à offrande dans yo vivre. La paix bon Dieu. Oh. C'était pour offrande, pas faire ministère, c'est pour l'argent. Mais m'a dit même j'ai apporté Paul, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ou explique à venir pour diviser même ou même avec pour petite ou former. Il est entré dans le séance pour le diviser, même le monde pour former ou pour travailler. Esprit également relâché. Il faut ouvrir les yeux pour nous comprendre. Parce que, plus gros, l'organisme de mon Dieu, ou le soir faire, il dit quoi que vous fassiez, vous mangez, vous buvez, faites tous pour la gloire de Dieu. Est-ce que soit faire, mon Dieu, dans la gloire là-dedans? Si je fais ça, si je fais live ça, bon Dieu, pas de gloire là-dedans, je vais quitter ça. Je vous garantis. Si bon Dieu dit me live ça, Damas m'a le fait. M'a quitté. Seigneur, mais dis ça. Dis-moi si vous le faites. Viens parler avec moi. M'a quitté. M'a fait bagarre par folie. M'a fait bagarre pour me plaire aux hommes. M'a fait son façon pam pour me prêcher l'évangile. Façon pam pour me mettre mot pam, pour me placer mot pam. Pour me placer équilibre pam. Pour me dire nous, bon Dieu, qu'on fait des restes. Faut me dire tout passe pas vagabond. Tout passe par courir d'Égypte. Faut qu'on ça. Il y a des hommes de Dieu qui ont été choisis. Ne pas parler, c'est pour dire exception. Et pour dire exception. Vous dites sauf. Et pour faire exception. Alléluia. Tout le monde bat Moïse. L'Éternel dit quand je parle à Moïse. Il dit beaucoup, par les prophètes, je parle par des énigmes, par des songes, par des visions. Je vois quelqu'un leur parler. Mais moi, quand je parle à Moïse, je parle comme un homme parle avec un homme. Je paye au prix pour me donner voix, mon Dieu. Je connais la vérité, je connais bon Dieu, parle avec moi. Il parle avec moi. Quel que soit le problème, n'importe quoi, Samuel, tant de bon Dieu. Les insister, il parle plus raide. Et quand Samuel, si bon Dieu dit que je fais un peu, si bon Dieu dit que je plie, je plie. Si bon Dieu dit que je m'humilie, je m'humilie.
Mais le bon Dieu dit, non, mon fils, bataille, ça pas bataille pour vous. Ça, son esprit de gaillement qui est lâché. Vous besoin, alléluia, vous besoin de mettre, enseigner peuple quoi. Enseigner peuple bon Dieu. Je ne pas penser seulement pour l'église, pas moi. Je pense pour tout le monde qui est dans l'église qui a coûté. Vous besoin de chrétien équilibré. Son affaire, la voix faire. Parlez ou parlez, on peut demander, est-ce que c'est un bon Dieu à construire ou bien c'est des trucs à détruire? Est-ce que c'est un bon Dieu à construire dans son offert? Dans Paul, on dit, c'est un bon Dieu, c'est un drapeau bon Dieu à baisser. On peut se parler comme des chrétiens équilibrés. Amen. Ou chrétiens qui balancent. Ou pas dire n'importe quoi. Gen Paul, même si tu as connu, il faut ta ouler langue 7 fois avant de dire. Gen Paul, même si tu attendais, c'est pour yon t'aller prier. Ou la gueule pour faire vieux. Et bon Dieu, pas cadeau comme ça. Il dit, dans les derniers jours, les hommes auront à rendre compte pour toutes les paroles qui l'auront proférées. L'on parle devant mon Dieu, bon Dieu, après les combiter, pow! Là, il dit, mais sortez. Voilà pourquoi même l'autre a sauvé, il y a un jugement, il y a un blâme pour croyant. Si vous changez, vous parlez devant le grand trône blanc. On parle devant le béma de Christ quand même. Mal compris dans l'église. Mais il est devant mon Dieu pour le dire bien fait. Amen. Bon et fidèle serviteur, entrez dans la gloire de ton Père. Amen. Qui a été préparé pour vous avant même la fondation du monde. Alléluia. Bien-aimé, l'homme pour quoi accepter Jésus, tes ténèbres. Et si l'esprit mourit en dedans, ou ces ténèbres, vous besoin de repentir pour les lumière encore. Lumière qui a été. Voilà pourquoi il y a un. Dans la parabole des 10 vierges, il y a un sage, il y a 5 sages, il y a 5 folles. Dans parmi, parmi qui est-ce? Est-ce que parmi les sages ou parmi les folles? Alléluia. C'était mon Dieu béni nous. Bon Dieu garde nous. Je parle aujourd'hui à des consciences. Conscience là, c'est un témoignage intérieur. Je parle à voir avec conscience. Soit à faire. Est-ce que conscience ou? L'idoli, bon. Et si conscience impure, vous besoin de repentir. Je parle à l'église là. Tout ce qu'on va le faire. Même manger, on va le manger. Faire pour la gloire de Dieu. Si vous travaillez contre bon Dieu, vous ne pas travailler contre le passé Damas qu'on y a là. De vous après le monde vers clan avant, vous ne pas travailler contre le passé Damas. De vous après le monde pour dire que c'est boss, vous ne pas travailler contre le passé Damas. Vous ne travaillez contre le bon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il me dit un problème? Moi bien aimé. Moi je pas mon peuple qui te prendre craser là même. Et peut-être ça belge un bâton. Ta honneur de ton bâton mais rassure. Mais si on suit vous pas responsable. Est-ce que bon Dieu qui problème monde pas problème monde. Il dit Abraham, il dit t'es dit monde a dit on nous avons Abraham pour père. Nous avons Abraham pour papa. Il dit même de ces pièces si Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. Si nous pas parler, wash la parole. Si nous pas parler, wash la parole. C'est pour me parler selon Dieu. Je souhaite bon Dieu bénir nous. Bon Dieu garde nous. Chacun conscience. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pas oublier, on a un plan, bon Dieu. Moi, j'ai un plan. Pas inquiéter, moi, j'ai un plan. Et je fais tout ce que je suis capable pour me rester dans le plan. Ça. Aussi, je suis dans le plan. Ça. J'ai une protection. Je vais manger. La famille va manger. Et tout le monde qui est avec moi, qui est une équipe. Je ne peux pas échouer. Quand Dieu bénit, il bénit une équipe. Les dieux maudit tout, les maudits ont une équipe tout. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Il va arrêter mon seulement, il va arrêter mon seulement qui fait mal à nous, il va arrêter complice et corrompu. Les coups les bons diables tombent, ils ne sont pas tombés sur mon qui a fait ça à faire non, mon qui supporte le, mon qui tolère le, mon qui veut la petite balle pas dire rien, mon qui fait 100 000 avec elle. La Bible a dit que des mondes partis salut, pour qu'à honte, afin qu'ils éprouvent de la honte. Il y a dit coupez pont avant. Et moi, je dis ça. Coupez pont. Depuis que je suis mauvais chemin, je vais vous montrer. Coupez pont. La paix, mon Dieu, avant. Si vous êtes Damas, vous êtes fréquent, je vais couper pont avec tout. Si vous êtes pas capable d'avoir, coupez pont avec moi. La paix, mon Dieu, avant. Si vous finissez, vous êtes capable d'avoir. Je vais prêcher la parole. Je souhaite bon Dieu, bénis. Bon Dieu, gardez-vous. Qu'il en soit ainsi pour vous. Par Jésus-Christ. Alléluia.